Level 0. Bien le bonsoir les Zings, c'est l'Austral, l'Austral en direct du... Je me rappelle plus du nom de ce train en réalité, je m'en contrebranle. Nouvel épisode de Resident Evil 0. Nouvel épisode des Jeudis de l'Angoisse. Et on est parti pour une heure de vidéo sur ce jeu horrifique. Alors de ce que je m'en souviens, c'est pas l'épisode le plus horrifique de la saga. Cela dit, il comporte son lot de bonnes surprises. Et donc on s'était arrêté dans ce compartiment, alors c'est l'Ecliptic Express, voilà, j'ai retrouvé le nom du train. On s'était arrêté dans ce compartiment avec Billy Cohen, le partenaire de Rebecca Chambers. Je devais emprunter cette échelle afin de me rendre dans le wagon restaurant situé au-dessus de ma position. Et je vous avais dit à la fin du dernier épisode que je ne souhaitais pas avancer davantage avant de sauvegarder. Enfin, sans sauvegarder, puisqu'ici m'attend une créature pour le moins répugnante. Et la voilà. Alors ça, c'est un procédé qu'on utilise souvent dans le cinéma d'horreur et également dans le jeu vidéo, qui est le petit frère du cinéma d'horreur. On annonce la créature avant de la montrer à l'écran. Voilà. Afin de faire monter la tension en très gros et de faire gagner en effet de surprise aux téléspectateurs au moment du jumpscare. Parce que le téléspectateur sait qu'il va se passer quelque chose, donc il appréhende ce moment. Et lorsque le moment survient, il sursaute. C'est un procédé qui a été inventé en... Non, je déconne, je ne suis pas non plus à ce point-là. J'entends des bruits étranges. Ah putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce qu'en réalité, j'ai besoin à tout prix de cette thème pour Rebecca Chambers. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai un chargeur de 5 balles qui me prend une place d'inventaire, le but du jeu ça va être d'utiliser ces 5 munitions. Je vous rappelle que les munitions justement sont comptées dans les Survival Aurore. Il faut pas les gâcher. Donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de les utiliser. Et je ne vais pas me contenter de les jeter. Donc je vais avancer à la recherche d'ennemis. On a un item de soin. On a encore et toujours des munitions. Et ici on a un fusil de chasse que je vais utiliser puisque comme je vous l'ai dit, il y a une bestiole qui va pas tarder à m'attaquer en très gros, donc je vais m'armer. La plante rouge j'en ai pas besoin puisque je ne peux pas la combiner avec la plante verte tant que je joue avec Billy. Je suis obligé de jouer avec Rebecca pour pouvoir combiner les deux. Je vais récupérer les munitions de fusil à pompe. Je vais récupérer les munitions de flingue. Je vais avoir besoin de soins. Je vais prendre ce spray. Je parle jamais très fort sur les vidéos des Jeudis de l'Angoisse, vu que ce sont des jeux qui font peur et que vous êtes censé regarder ces épisodes de nuit. Ça vous permet de mieux vous immerger en fait dans l'ambiance. Dire, je vais pas commencer à gueuler et à chanter du Patrick Sébastien, tu vois, sinon ça collerait pas du tout au truc. Donc j'ai 35 munitions de gun, j'ai ça. Par contre, ce qu'il va me falloir, c'est un fusil à pompe. Donc ça, je vais le jeter.
peux pas laisser ça ici. Alors, je crois qu'il y a un nombre défini. Enfin, il y a, tu peux pas laisser plus de temps objet dans chaque pièce en fait. Je crois qu'il y a un truc du style. Voilà. Je suis obligé de faire un choix. Comment ça, je peux pas laisser ça ici? Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Il y a t'es trop d'items au sol en fait. Faut que je m'écarte. Là, ça devrait passer. Voilà. Puisqu'il me faut un fusil à pompe qui va me prendre deux places d'inventaire, je crois. Donc c'est un fusil de chasse. C'est pas vraiment un fusil à pompe. Et voyez, ça prend deux places dans l'inventaire. Et ça, c'était pas le cas sur Resident Evil, le premier du nom, je crois. Je crois que n'importe quelle arme prenait qu'une seule place dans l'inventaire. Mes souvenirs sont loin, ça fait plus d'un an que j'ai pas joué au jeu. Toujours est-il que là on va y aller comme ça. Équipé de cette manière là, ça devrait suffire. Quoi qu'il arrive, la créature qui va me sauter dessus d'un moment à l'autre, c'est pas non plus le boss ultime du jeu. Donc forcément, ça fait qu'une heure qu'on a commencé le bordel. Les développeurs sont sadiques. Mais t'as quand même... T'as quand même de la marge avant d'affronter des tyrans ou ce genre de saloperies. Ce que j'aurais dû faire avant de passer la porte, c'est équiper mon fusil à pompe. Je suis un blaireau. Parce que là, je vais me faire attaquer. Donc là, je vous ai cassé tous les faits de surprise. Mais vu que je ne connais pas le jeu davantage, lorsque je vais arriver à la moitié de ce jeu, je ne connaîtrai plus du tout, puisque je suis jamais allé aussi loin en fait. Donc à partir de là, je ne pourrai plus justement vous gâcher l'effet de surprise. Et on avance, on avance, on avance. J'ai une petite idée du pourquoi. Je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Tac. En fait, le problème de ce Resident Evil, c'est que... vu que t'as pas de système de coffre et de mal, t'es obligé de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de laisser des items un peu partout dans les cartes. Donc du coup ça te fout un bordel monstre, t'en as au large, tu sais plus où donner de la tête. Tu sais plus forcément où t'as mis l'objet, bien que là, le système de cartes te permette de retrouver assez facilement les items, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire c'est que s'il faut que tu retournes à l'autre bout de la map pour aller récupérer une putain d'herbe, ça fait chier, clairement. Le pic à glace qui va donc me permettre d'ouvrir la porte pour Rebecca Chambers. J'ai eu peur. Un écran noir, plus de son, je me suis dit putain, le jeu n'a pas été fini de télécharger. Donc il n'y a pas de réel effet de surprise puisque la cinématique a été interrompue par un écran noir. Donc le jumpscare est foiré en très gros. Et voilà, premier gros boss du jeu, un putain de scorpion. Et j'ai pas eu le temps de me barrer et cet enculé m'a envoyé valser dans les ténèbres. Où c'est que j'en suis au niveau santé? C'est bon, j'ai rien pris. Le mieux pour recharger, c'est de ne pas recharger manuellement in-game, c'est de passer par l'inventaire vu que ça met le jeu en pause en très gros. Et de combiner. Voilà, comme ça j'ai mon arme qui est automatiquement rechargée. Je gagne un peu de temps précieux. Je suis en train de me faire violer dans le coin. Il fait pas extrêmement mal non plus. Pars-toi, saloperie. Je crois que j'ai plus de munitions aussi encore.
général, quand on vous donne une arme de Scalic dans un Resident Evil, c'est que forcément il y a toujours une bestiole assez conséquente qui suit. Je vais devoir la finir au revolver et voilà, ça me fait pareil. De la santé, je suis encore en vert, donc pour l'instant tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que mon personnage lui tire seulement dessus en fait? Elle est morte? Non, elle est pas morte du tout en fait. Je vais retourner récupérer de la munition tranquillement. J'aime bien le mec en plein combat, il se permet d'ouvrir la porte et de repartir en arrière, tu sais. En mode attends, j'ai laissé un truc derrière moi. Le mec il s'arrête au distributeur, il se prend des Pepsi. Qu'est-ce qu'on a au sol? Des rubans en creux, donc je me contrebranle. Je vais pouvoir recharger mon revolver. Je vais pouvoir utiliser une plante verte. Donc là le but du jeu ça va être d'économiser le spray. Ça sert à rien de prendre un spray quand vous êtes encore en jaune au niveau de la santé, puisqu'un spray vous remet en l'équivalent de plus de 50% de votre vie en fait. Donc le spray en très gros, pour qu'il soit vraiment optimisé, il faut l'utiliser quand vous êtes en rouge. Bien évidemment c'est risqué, mais bon. Les systèmes de soins sont une denrée rare dans ce type de jeu. Donc ça se bouffe pas comme des petits pains si tu veux tout savoir. Je vais juste ramasser ça, voilà. Là je peux pas transporter. Donc là on remarque que ce boss est quand même relativement coriace et je sais même pas si je tire dessus en réalité. Par contre je suis dans la merde maintenant. Non, ouais si, je peux utiliser un spray. Alors le combat est assez redondant. Je dirais même qu'il est assez fastidieux parce que j'ai pas autre chose à faire que faire ce que je suis en train de faire en réalité. Et voilà, là il est mort. Puisque je suis bloqué, je suis bloqué contre le mur, donc je peux pas avancer. Le seul mouvement que je peux faire c'est prendre la porte qui est derrière moi. Mais si je veux affronter ce scorpion, je suis obligé de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire me contenter de tirer en fait, tout simplement. Voilà, premier boss défait. Il était pas bien compliqué, mais heureusement, c'était un boss de début de jeu. Par contre, réfléchis, ose réfléchir. On va faire comme ça. J'ai une place de libre, donc je vais retourner chercher un truc. Faut être organisé, parce que si tu commences à en foutre un peu partout... Je t'explique pas le merdier à la fin du niveau pour récupérer tous tes items. Alors vous allez voir que ce Resident Evil n'est pas découpé comme l'était Resident Evil 1. Donc Resident Evil 1 ça se passait dans un manoir et au fur et à mesure de votre progression vous débloquiez des pièces de ce manoir, des sous-sols, le jardin, ce genre de choses, un cimetière, machin et tout. Mais l'intrigue se déroulait en un seul et même lieu. Le lieu était grand et les pièces variées certes, mais on restait dans une seule et même localisation. Alors que dans ce Resident Evil 0, c'est un véritable voyage en fait qui va s'offrir à moi, puisque je vais passer d'un lieu à un autre sans véritable transition en réalité. Voilà.
Je récupère ça. Est-ce que j'ai encore de la place? J'ai plus de place. J'ai plus de place, j'ai plus de place, mais c'est pas grave. Je sais qu'ici il y a un couteau et une plante rouge à venir récupérer. J'aime pas forcément ce personnage Bitcoin. Je le trouve pas très inspiré en fait. Le coup du mec avec des gros bras en débardeur, avec les cheveux longs en arrière, un peu style je suis trop dark, je suis trop beau gosse, franchement ça craint, tu vois. Les tatouages maori sur l'épaule. Dans le genre, j'ai pas d'inspiration. Ce personnage est complètement cliché, ça craint. Ça, je vais en avoir besoin également. Donc je reviendrai la chercher. C'est une espèce de... Je sais pas ce que c'est en fait. Je crois que c'est un crochet qui va me servir à déployer l'échelle qui se trouve sur la... Sur la paroi du train en fait. Donc faut que je fasse attention parce que là il y a peut-être des zombies qui ont réapparu dans les parages. Je sais plus s'il finit par se relever ou pas lui. Je pense que oui, je crois qu'il se relève lui. Ici qu'est-ce qu'on a? On a un endroit pour sauvegarder. Je vais peut-être pas sauvegarder maintenant, ça fait un peu tôt. Par contre ce que je peux faire éventuellement, vu que c'est la pièce dans laquelle se trouve la machine à écrire, je vais laisser les rubans en creux. Comme ça au moins je serai un tant soit peu organisé à ce niveau là. Oui ici. Oh, putain j'ai trop de... Non mais... Voilà. Le gars qui galère. Et puis ça, j'ai pas de munitions, donc je vais peut-être le laisser aussi. Voilà. Et j'ai 3 places. De par ce fait, je vais aller récupérer ce que j'ai laissé derrière moi. Hop. Je confonds toujours les touches avec le premier Resident Evil, vu que ça a été inversé au niveau du X et du B. Donc c'est pour ça que par moment, je me chie dessus. Mais vous inquiétez pas, ça va juste me demander un petit temps de réadaptation. Je vais récupérer ce que j'ai laissé derrière moi. C'est ça qui va être assez chiant dans ce Resident Evil 0. C'est tous ces passages redondants, tous ces instants pendant lesquels vous allez me voir faire du backtracking pour aller récupérer un item que j'ai laissé dans une pièce derrière. Ça c'est assez casse-couille. C'était beaucoup moins présent dans Resident Evil 1. C'est vrai que c'est un petit peu l'aspect négatif de celui-ci, mais bon, après tout, c'est pas ça qui va nous gâcher le plaisir de jouer. Hop. Donc je vous rappelle que ce jeu est sorti le 19 janvier 2016 sur les plateformes live, sur l'Xbox Live et puis également sur le PlayStation Network. Je sais pas s'il est sorti sur Steam, je sais pas honnêtement. Donc la refonte graphique marche plutôt bien, le jeu est splendide, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Le plaisir intact. Le souci du détail Capcom est toujours là. Fuck, putain de merde quoi. Bon au moins je sais qu'il y a des rubans creux ici. Le problème c'est que vu que ce niveau n'est pas éternel, c'est pas comme dans le manoir. Si tu veux dans le manoir dans Resident Evil 1, côté à la fin du jeu, tu peux revenir dans les premières pièces que tu as traversées au cours de l'aventure. Là c'est pas le cas puisque dans ce train là je vais pas y être toute ma vie en fait. Vu que comme je vous l'ai dit, le level design n'est pas découpé de la même manière. Et donc je ne pourrai plus revenir dans ce train au cours de ma progression. Passé un certain stade, je ne pourrai plus revenir. Donc tout ce que je vais y laisser sera définitivement perdu. Donc genre les rubans encreurs, t'as pas intérêt à en laisser derrière. Parce que c'est un item qui est extrêmement important.
Concernant la FAQ, j'ai tourné les réponses aux questions que vous m'avez soumises et enfin aux questions auxquelles j'ai été soumis par vos soins. J'ai donc tourné toute la partie audio. Il me manque plus qu'à faire, il me reste plus qu'à faire le montage en fait avec la vidéo. Le problème c'est que j'ai pas forcément plus de temps que ça. Donc c'est pour ça qu'elle arrive pas sur la chaîne. Ça arrivera, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que moi il faut que je prenne le temps de le faire. Mais ça arrivera un de ces quatre. Quand, je sais pas honnêtement. Mais je suis sur le coup, il n'y a pas de souci. Par contre, donc là je suis censé aller donner le pic à glace à Rebecca. Le problème c'est que j'avais répondu aux questions de la FAQ, donc comme je vous l'ai dit, la partie audio était enregistrée. Ça date d'il y a au moins 4-5 mois. Ça fait un petit bout de temps déjà, ouais. Et donc de par ce fait, tout ce qui m'est arrivé depuis, ça a un petit peu changé la donne en fait au niveau des réponses. Donc je vais être sûrement obligé de refaire la partie audio en réalité. Par contre, c'était par où? C'était par là. Alors juste un truc avant. Levier du panneau. Ça, si je dis pas de conneries, je vais réessayer parce que je suis juste à côté en fait. Les temps de chargement sont pas bien longs donc on en profite. C'est pas comme dans un Fallout. Je crois que ça s'utilise ici. Non, je peux pas l'utiliser, ok. Quoique. Si j'utilise l'item directement. Non, ok. Mais je crois qu'il a cette utilité là. C'est pas moi qui suis en train d'halluciner. C'est juste que je devrais repasser par là plus tard au cours de l'aventure. Je me répète souvent au cours de mon commentary, c'est justement parce que, comme je vous l'expliquais une fois, j'ai un nouveau setup qui fait que, en plus des écouteurs qui me permettent d'enregistrer ma voix, puisqu'il y a le micro sur mes écouteurs, enfin sur mon casque, il y a le micro, donc je peux enregistrer ma voix via ce micro. En dessous de ce casque, j'ai mes écouteurs internes en fait, et donc avec ce setup, j'entends plus rien de ce qui se passe autour de moi. Comme je vous l'ai déjà dit, il pourrait y avoir le feu dans l'immeuble, j'entendrai même pas. Et donc, c'est assez déstabilisant de parler sans s'entendre. C'est un truc, c'est pas évident en fait. C'est con, mais c'est pas évident. Je vous invite à essayer chez vous. Vous aurez l'air con quelques instants, mais c'est pas bien grave. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Donc, le pic à glace, il est là-bas. C'est là-bas qu'il faut que je le mette. Cette porte me fait flipper à chaque fois qu'elle s'ouvre. Le bordel qu'elle fait, quoi. L'ambiance sonore est beaucoup moins à la quiétude que c'était le cas sur Resident Evil 1. Vu qu'on était dans un manoir, un lieu fermé et isolé, tout était extrêmement silencieux, hormis l'orage dehors qui grondait. Par contre, il faut que je rechange de perso, voilà. Mais là, vu qu'il y a le train qui est en marche, avec le vent, etc., la pluie qui coule, etc., etc., il y a une ambiance sonore, il y a un background sonore qui est assez important. Donc du coup, c'est vrai que ça va peut-être nuire aussi à l'immersion et à l'atmosphère lugubre. C'est pour ça que le jeu, en général, fait un peu moins peur que le premier, en fait. Pas tarder à présenter la météo, moi, si je continue. Donc là, il faut que je passe par là.
C'était le but. Non, putain, je suis un con. Alors, je confonds les touches avec Fallout, du coup, aussi, puisque je joue beaucoup à Fallout en ce moment. On va utiliser ça. Et on va faire attention parce qu'avec Rebecca, on est beaucoup plus en danger qu'avec Biddy, puisqu'elle est beaucoup moins résistante, la donzelle. Je me fais attaquer par des zombies en feu. Heureusement, j'ai ce qu'il faut dans le chargeur pour en venir à bout. J'allais dire, j'ai ce qu'il faut dans le slip aussi, mais pas avec Rebecca, forcément. Voilà, c'est valide. Quoi qu'il arrive, un zombie en feu, logiquement, ça devrait pas rester en vie, entre guillemets, puisqu'un zombie est déjà mort. Mais ça devrait pas rester réanimé bien longtemps. Puisqu'à partir du moment où le cerveau est détruit, le zombie est définitivement nettoyé de la surface de la planète Terre. Il y a un truc qui brille sur la table où j'ai rêvé. Non, c'est juste le reflet des... Non, 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 ça je m'en fous en fait, complètement. Complètement. Alors elle, elle a pas de ruban encreur, si je dis pas de conneries, elle a pas de ruban encreur. Ok, mais c'est pas grave puisque je vais pouvoir retrouver Biddy. Donc la petite phase pendant laquelle Biddy et Rebecca étaient séparés dans ce train, c'était un très gros didacticiel de ce qui va nous attendre. Beaucoup plus tard dans le jeu et de manière constante, enfin de manière assez récurrente, puisque je vous rappelle que le gameplay principal du jeu est basé là-dessus. Donc ici, si je fais B, non, enfin X, je vais peut-être pouvoir aller sauvegarder à présent. Ouais, est-ce que Billy me suit? Voilà, il suffit d'appuyer sur Select pour que le personnage se mette en route à vos côtés. Je vais les sauvegarder ce coup-ci, maintenant que les deux personnages sont à nouveau réunis. Je crois qu'il y a moyen de donner l'ordre passif ou l'ordre actif à Biddy également, ce qui va déterminer sa nature lors des combats. Voilà, là il va m'aider par exemple. Je crois que je peux lui demander de passif afin d'économiser les munitions qu'il aura sur lui. J'avance toujours très doucement, je ne cours jamais parce que c'est le meilleur moyen de faire des conneries, donc de tomber sur un zombie, je vous rappelle que tout le jeu est basé sur ses angles de caméra. Sur ses caméras de... caméras d'angle, justement. Qui vous empêche souvent de voir ce qu'il y a devant vous. Donc ça reste dangereux. Billy, par contre, t'as un zombie dans ton dos. Pour ne pas dire dans ton cul, donc je serai toi. Ok, donc là, Billy n'a plus de munitions, apparemment. Parce que Billy va me laisser crever. Merci Billy. Comment on fait pour se débattre? Merci Billy. Billy qui me laisse crever. Merci Billy, ça fait plaisir. Comment ça se fait-il d'ailleurs? Ouais, donc Billy n'a plus de munitions, ok. Par contre, ce que je peux faire, c'est... comment je fais pour donner un item au Gugus d'à côté, là? Comment je fais pour accéder au... à l'inventaire de Rebecca en fait? Parce qu'en fait j'aurais donné ça à Rebecca mais oh, putain, je sais pas. Je vais être obligé de faire ça comme ça.
Elle, elle va utiliser un... Elle va utiliser ça. Voilà. Je sais plus s'il y a possibilité de se passer des objets directement via l'inventaire. Normalement oui, logiquement, si le jeu était bien fait. Parce que sinon je t'explique pas les manips. Voilà. Donc ça c'est ce que je vous disais, seule Rebecca qui est infirmière ou je sais pas quelle connerie. Elle est tout bip chez les flics en très gros. Seule elle est habilitée à au trafic de drogue. Seule elle est habilitée à mélanger les herbes, voilà. Elle est combinée. Il y a également un autre type d'herbe qui existe, ce sont les herbes bleues. Et les herbes bleues, elles servent à contrer le poison. Lorsque vous avez du poison dans le sang et que votre vie descend petit à petit, une herbe bleue peut endiguer ce problème. Donc, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder avec Billy the Kid, puisque c'est lui qui a les rubans en cuir sur lui. Voilà. Est-ce que tu as de la place, mon salaud, pour prendre le fusil à pompe? T'as de la place, donc c'est parfait. Avant de sauvegarder, je ferai bien une excursion pour aller récupérer tout ce que j'ai laissé derrière moi. Comme ça sera fait. Et ma sauvegarde sera propre à ce niveau-là. Est-ce que j'y vais avec Rebecca ou est-ce que j'y vais avec Billy the Kid? J'y vais avec Rebecca. Je crois que j'avais laissé des rubans encreurs dans la pièce au-dessus. C'est même sûr en fait. Donc je vais aller les récupérer. Comme ça, j'aurai plus à y revenir. Non, putain, je me gourre à chaque fois. Je suis désolé, mais voilà. Tac, tac. Ok, c'est bon. C'est valide. On lui se relève pas. C'est parfait. Je vais aller récupérer les derniers rubans en courir. Comme ça, j'aurai pas à y refoutre les pieds là-haut. Et on pourra avancer. On est en... semble encore une petite demi-heure pour cet épisode. Je vois que le compteur m'affiche 32 minutes. Après, la durée des épisodes va dépendre de mes sauvegardes également, comme je vous l'ai déjà dit. Je veux dire, si je fais une sauvegarde à 48 minutes, il est hors de question que je joue 12 minutes de plus et que j'arrête la console sans sauvegarder, c'est mort. Donc l'épisode en l'occurrence fera 48 minutes. Et ça marche dans les deux sens, il se peut qu'il y ait des épisodes plus longs qu'une heure. Tac, voilà les rubans en cuir qui sont là et j'aurais plus rien à récupérer ici. Pourquoi elle les prend pas? Ah voilà, merci. Je suis également à la recherche d'une clé. Qui me permettrait d'ouvrir la sacoche que j'ai trouvée dans je sais plus quel placard. J'avais trouvé une sacoche. Le problème c'est que cette sacoche est fermée et il me faut un ustensile qui permette de l'ouvrir. Voilà. Donc ça, je suis à la recherche de cette clé. Si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Compose le 8 12 12 sur ton téléphone. Tac, on avance. Ce qui est fantastique, c'est que tout le monde est mort dans ce putain de train et pourtant on continue à avancer. Donc ça, c'est formidable. Logiquement, je suppose que normalement, il y a besoin d'un conducteur quand même. J'aurais imaginé qu'il y avait besoin d'un conducteur. Après, je me trompe peut-être, mais... Logiquement, ça sert à ça, un conducteur. Je sais bien qu'à la SNCF, c'est des branleurs, mais bon, quand même. Thank you.
Là, je peux sauvegarder. Et comme ça, je pourrai sauvegarder dans 20-25 minutes. Et ça marquera la fin de l'épisode. Parfait. Alors maintenant, qu'en est-il des ustensiles? Pourquoi il y a un ruban creur par terre? Récupère, récupère. Laisse pas ça comme ça, toi. Allez, on avance. Maintenant que j'ai sauvegardé, je peux avancer de manière sereine. Sans avoir à craindre ces enculés de pestiférés qui se dresseront en travers de mon chemin. Qu'est-ce que je suis censé branler? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à récupérer sur le cadavre qui est là-bas? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Putain, vous avez vu comme quoi la mémoire, ça vous joue des tours quand même. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 2012, je crois. Ouais, c'était en 2012 ou 2013. Tout début... Non, non, c'était fin 2012, la dernière fois que j'ai fait... Que j'ai fait ce passage dans le train. Pour les besoins d'une vidéo spéciale Halloween que j'avais fait sur ma première chaîne. Et que vous pouvez d'ailleurs retrouver. Donc qu'est-ce que je suis censé branler à présent? Je crois que je peux ouvrir la trappe avec l'espèce de crochet que j'ai trouvé avec Billy en fait. Donc je vais essayer ça. Il est classe ce train quand même. Ok. Donc là logiquement, si je prends Billy, je peux utiliser le bordel. Oui ou non? Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? J'ai raison, je suis trop fort. Attendez, parce que Billy il a pas de munitions, donc faut que je lui en laisse. Parce qu'il a beau avoir des gros bras le mec, ça suffira pas. Combiner... Ah bah échanger, putain mais je suis aveugle en fait, je suis désolé les mecs, je suis complètement aveugle. Voilà. Ah, je peux pas combiner directement. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi 24? Pourquoi 0? Échanger. Ah oui, voilà, ok. Faut que je sélectionne la quantité. C'est pas mal, c'est bien foutu. C'est bien trouvé, c'est bien Tommy. Tac. Donc lui, si je fais ça, je galère un peu hein, au niveau du. Agolone, ouais, si tu veux. Je galère un peu au niveau des touches, je suis désolé. Comme je vous l'ai dit, ça va me demander un petit temps. Il faut que je combine. Tac, tac, tac. Parce qu'un Resident Evil, ça se reprend pas en main du jour au lendemain. C'est des jeux qui sont célèbres pour avoir un gameplay complètement moisi. Donc, tac, tac. En plus, ce qui me casse les couilles, c'est que sur Resident Evil 1, t'as un setup de touches qui est parfait. Enfin, que tu mets du temps à piger, mais... Mais que quand tu maîtrises, voilà, c'est nickel, tu vois. Mais le problème, c'est que à chaque putain de Resident Evil, il change les touches. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire chier le monde, je pense que c'est prévu. Je pense que c'est prévu. Ils ont ça dans leur programme, les mecs. Donc là, je peux descendre. Entrer dans le vide sanitaire. Dégueulasse. Des chiens, ça faisait longtemps. Oh, j'aurais jamais assez de balles. Il est mort.
Ah, les chiens, c'est de la saloperie dans ce putain de jeu. Vous me direz qu'il n'y a, pas que dans le jeu que c'est de la saloperie. Donc là, j'ai de l'essence que je ne peux pas transporter. Je suis content d'être parmi vous, les mecs. Je peux rien faire. J'ai des gros bras, mais je peux rien porter avec. Donc je suis content. C'est aussi une... c'est aussi utile qu'une bite sur un curry, comme on dit. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est le truc qui va me permettre d'ouvrir la mallette. Je reconnais. Et là, on peut passer par là. Voilà qui est excellent. Et là, on se trouve à l'extérieur, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc là, le but du jeu, ça va être de récupérer le bordel pour ouvrir la malle dans un premier temps. Donc c'est ce que je vais faire. Donc pour ça, il faut que je me vide les poches. Et non pas les couilles, juste les poches, calme-toi. Donc, logiquement, là, ça me fait un raccourci à la Dark Souls et je peux récupérer, je peux retourner là où j'avais laissé Rebecca. Voilà, sans avoir passé par le vide sanitaire. Tout cela est parfait. Rebecca, parlons peu, parlons bien. On va faire comme ça. On va faire. Bah, je suis con, je vais aller avec Rebecca. Ça sera plus simple. Tac, tac, tac. Voilà. Toi aussi, tu trouves que c'est un nom de merde de Rebecca? Ouais, carrément. Donc Rebecca, tu vas prendre ça. Déjà. Et tu vas prendre ça. Et tu poses pas de questions, mais tu fais ce que je te dis. Voilà, ça c'est une bonne chose. Tu as plus de place dans l'inventaire, je suppose, ma belle. Lui, il est resté derrière cet abruti-là. Tac, tu n'as plus de place dans l'inventaire, voilà. Putain, sans déconner, mais prenez des sacs à dos la prochaine fois. L'essence, je sais plus à quoi ça va me servir. À foutre le feu, probablement, oui. Mais où? C'est ça la question. Putain, le fils de pute, il m'a fait peur. Le pire, c'est que je me suis souvenu tout à l'heure qu'il y allait un zombie qui allait surgir de ce placard. Je m'en suis souvenu tout à l'heure, mais ça c'était il y a 20 minutes. Et moi j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire qu'il y a 20 minutes j'ai oublié. Hein, donc, et donc là, du coup, ça m'a fait flipper. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, il y a une bouteille de whisky sur lui, le mec. Cet enculé savait prendre du bon temps, même pendant la, même durant sa mort. La mallette, elle est où? C'est Billy qui l'a sur lui, la mallette? Non, je sais plus où j'ai mis la mallette. C'est problématique. Comment je fais pour changer de... Ah. Changer de niveau, c'est la croix directionnelle ou la S. Ça c'est pour le zoom. Ah. Pas d'objet. C'est le bordel, c'est le bordel, merci. C'est ça que je cherche. Donc ça c'est à l'autre bout du train, je suis content. Et hop, marche arrière. Marche arrière, j'y vais avec qui? J'y vais avec Billy parce que Rebecca, elle est pleine de bonnes intentions. Donc j'y vais avec Billy. Non, j'ai dit que j'y allais avec Billy. Putain, m'emmerdez pas, tu me casses les couilles. J'y vais avec Billy et puis c'est tout. Mais regarde pas comme ça, putain. Par contre, est-ce que Billy a des munitions? Je ne crois pas. Je crois que je suis parti comme ça, à l'arrache, sans prendre de munitions, tel le putain de kamikaze que je suis.
Donc le problème c'est que si je rencontre un zombie en cours de route, bah, je suis dans le caca. Complètement. Ah non, ça va, j'ai du pompe. J'ai du pompe. Putain, ce zombie me ferait peur quand même. C'est la première, il y en aura d'autres, je pense, sur ce let's play. C'est où? C'est là-dedans? J'ai un doute affreux. J'ai un doute affreux. Non, c'est dans l'autre pièce. C'est là. Lui, je sais qu'il va se relever, mais quand? Donc là, on a la malle, ici, la mallette plutôt. Que je m'en vais récupérer, voilà. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc là, le fait d'avoir récupéré cette mallette, ça fait se dérouler le script. Et donc, à partir de là, les ennemis peuvent apparaître de n'importe où. C'est comme ça que ça marche, hein, Resident Evil. Hein. Lui peut se relever, par exemple. Je crois qu'il y a un passage dans un manoir dans ce Resident Evil 0, en clin d'œil au premier Resident Evil, bien évidemment. Les mecs se font des clins d'œil entre eux, tu sais. Il y a un passage dans un manoir, et si je me souviens bien, j'en avais chié comme un voleur sur ma première partie, mais ça c'était il y a des années en arrière, hein, quand j'avais le jeu sur GameCube, donc ça remonte à 2004, je crois, à peu près. Ouais, il y a 12 ans, tu vois, donc... Quand j'avais le jeu sur GameCube en 2004, ouais, j'en avais chié dans ce putain de manoir parce qu'en fait il y a des énigmes à la con à résoudre et tu pètes un cap quoi. C'est juste chinois le truc. Tu sais que tu m'as fait peur, Rebecca. Je savais que t'étais là, mais le fait d'ouvrir la porte et de te voir, ça m'a quand même fait peur. Quelque part, je suis une lopette. Donc tac tac. Échange de bons procédés. Donc je vais laisser ça là. Billy, tu vas me filer ça. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Ça, on va y combiner avec ça. Voilà. Et ça, on va faire utiliser. Examiner alors. Ah, il en manque un deuxième. L'anneau d'or entre parfaitement dans la cavité. C'est presque sexuel. Cela dit, il m'en faut un deuxième. Donc, bah, j'ai dans le cul. J'ai dans le cul du quoi. C'est tout. Récupère ça. Alors, attendez, parce qu'il y a un truc derrière, il y a une bouteille. Donc, moi, les bouteilles, généralement, ça m'intéresse. Une bouteille vide, là, ça ne m'intéresse pas pour le coup. Quelque part, je suis quelqu'un de lucide et de cohérent. Donc, là, la question, ça va être de savoir où est ce putain d'anneau doré qui me manque. C'est ça la question en fait. Je vais aller me balader dans le train et puis je vais bien trouver ça. On est ensemble encore pour 10 petites minutes je pense. Là il y a le pétrole. Il y a le pétrole. Où est-ce qu'il est cet anneau doré? Qu'avons-nous ici? Ah, ça va m'ouvrir la porte qui est dans le couloir où se situe le cadavre de mon collègue là. Très très logiquement, non?
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire? C'est quoi ça? Actionner le levier pour débloquer le verrouillage. Carte magnétique, donc ça c'est à la fin du niveau, je me rappelle. Attendez, faut que je vienne avec Billy en fait. Parce que là c'est une action à faire à deux en fait. Si t'es pas à deux, tu l'as dans le cul, tu peux pas faire. Le problème c'est que ce connard de Billy, il a les poches pleines, comme toujours. Quand t'as besoin de rien, t'es Billy. 36-15 Billy. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire, putain, Taras. Voilà, merci. Donc là il y a un grappin à récupérer, les grappins ça va me permettre de passer par la fenêtre, la petite fenêtre ronde qu'il y a dans un compartiment un peu plus. Le seul truc c'est qu'il faut que je me fasse de la place devant l'inventaire. Et ça va pas être chose aisée, je vais laisser ça, j'en ai pas besoin. Tout est de merde. Merci. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et là, on va faire comme ça. Faut avoir l'esprit vif quand même. Hein. Utilisation du grappin. Voilà, c'est ce que je vous avais dit en fait. Un truc qui est tombé. Ah non, mais je suis con, c'est mon couteau. Donc du coup, comment ça se passe au niveau de la gestion d'inventaire? Comment ça se passe au niveau de la gestion d'inventaire? Donc là, on va y aller à deux. Parce que je crois qu'il y en a un qui tire le grappin et l'autre qui monte à la corde. Une connerie comme ça, non? Je me rappelle plus. Je sais plus. Mais regarde pas comme ça, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Passage en train, je vous rappelle, c'est juste un didacticiel. C'est juste là pour m'apprendre les rudiments du jeu, les rudiments du gameplay. Bien évidemment, dès le prochain niveau, on passera aux choses sérieuses. Et je risque de péter des câbles, hein, parce que ça reste un Resident Evil, donc c'est pas un jeu accessible à tous. Il y a des passages assez difficiles en termes de réflexion, mais également en termes d'action brute, d'action pure. Donc, utilisez le grappin ici en fait. J'arrête pas de me confondre les touches, c'est une horreur. Me voilà sur le toit. Passer dans ce trou ou je peux pas passer dans ce trou? Je peux passer dans ce trou. Allez, relève-toi, enculé. Impeccable. Par contre, au niveau des munitions, je suis comment là? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vais ouvrir l'inventaire, je fais Y? C'est incroyable, ça, c'est incroyable. Eh ben, au niveau des munitions, j'en ai pas plus que ça. Et en fait, là, ce qui me fait chier, c'est que je peux pas passer. Je suis ouf, les mecs, je suis ouf, 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 ouf. Un truc de ouf, ouf, ouf. Je suis tellement ouf. C'est quoi ça? Parce que là, je peux rien récupérer du coup, donc ça me casse les couilles. A mon avis, il y a le truc en or là-dedans. Dans cette boîte à bijoux. J'aurais jamais dû faire ça parce que j'ai déclenché une saloperie et ça fait 25 minutes que j'ai pas sauvegardé. Donc je suis content, si je meurs je suis content. Je suis content d'être là ce soir parmi vous. Donc en fait je ne peux pas sortir parce que
Si je peux sortir en fait. J'aurais peut-être pas dû sortir en fait. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mauvaise idée. Re-rentre, re-rentre, re-rentre. Ça se dit re-rentre? On s'en fout, je l'ai inventé, on s'en fout. Il y a plein de saloperies qui m'attaquent en fait. C'est dégueulasse. Putain, c'est glauque ici. Regardez-moi ça, ce lavabo taché de sang. Bah non, connard. C'est taché de sang. Peut-être celui d'un passager. Non, non, connard. C'est la Vierge, quoi. Non, mais sans déconner, les mecs. Par contre, là, je suis dans la merde noire. C'est quoi ça par terre? C'est un couteau. Ouais, je suis dans une merde noire, en fait. Comment je vais faire? Putain, j'aurais su, je serais là avec Rebecca, quoi. Ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Tant pis. Le grappin, j'en ai plus besoin pour l'instant. Clairement, clairement, j'en ai pas besoin du grappin pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça. La boîte à bijoux. Je vais récupérer le couteau qui va me permettre de me débarrasser de ces saloperies qui m'attaquent. Je m'en branle de ça. Marche arrière toute. Voilà, merci. Prendre l'objet couteau. J'ouvre l'inventaire. Je fais ça. Examiner. Je l'ouvre. Je récupère le truc en argent. Elder Scrolls Online. Voilà, merci. Tac tac. Je prends ça et j'ai pas d'item de soin avec Billy. Donc faut que je fasse très attention à ce que je fais avec Billy, 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 Billy. Mon petit Billy. Je vais aller sauvegarder. On va mettre fin à cet épisode. Quand j'aurai sauvegardé. Pour l'instant, c'est pas le cas. Faut juste que je trouve la route. Ah, mais je suis là. Mais je suis là. Mais ça va en fait. Je suis pas loin, les mecs. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Oh putain, elle me fait peur. Rebecca, 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 tu me fais peur. À chaque fois que tu me fais peur, quand t'apparais comme ça dans l'ombre, voilà, boum, tu me fais peur. C'est moi où j'entends du zombard là. Let's go. Ouais, on va aller sauvegarder. Alors attendez, par contre, juste avant, je vais peut-être finir d'ouvrir le bordel. On va faire ça bien. On va faire ça bien, ouais. On va faire ça. Donc toi, tu vas donner ça à Rebecca. Tac. Rebecca, tu vas ouvrir ça. Et là, tu vas faire examiner. L'ouvrir. Et là, on va ouvrir la mallette. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des impôts sur le revenu. On est content. Non, je déconne. Carte d'accès bleue. La carte d'accès bleue qui va me permettre d'obtenir la carte d'accès rouge. La carte d'accès rouge qui va me permettre de débloquer la carte d'accès jaune. Avec la jaune, je pourrai obtenir la carte d'accès verte. Et ben, on va faire comme ça. Tac, 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 retour. Rebecca, vu que t'as encore une place dans l'inventaire. T'as encore une place dans l'inventaire, c'est ça ma belle? Dis-moi oui. Dis-moi, putain. Le grappin, on en a plus besoin. Est-ce que je le laisse derrière moi? Ouais, on va le laisser derrière. Il est bien. Il fait de mal à personne. Je vais aller sauvegarder et on va pouvoir terminer cet épisode. Et se donner rendez-vous à jeudi prochain. Voilà donc, qui a les rubans en creur? C'est toi, Billy. C'était Billy, ce petit cachotier. C'est lui qui a les rubans en creur. Ou alors je les ai laissés dans la pièce ici. Ah non, c'est pas Billy qui les a. Putain, ils sont où les rubans en creur? ça pose problème.
Voilà qui pose problème. Carte. Oh, c'est une blague, ils sont allés au bout du wagon, putain de ta race. Bon, je vais y aller avec Rebecca, elle court plus vite. Et elle a une place dans l'inventaire. Ça, c'est le piège à con. Tu vas chercher le truc à l'autre bout du train et tu te rends compte quand t'es arrivé que tu peux pas le prendre parce que t'as plus de place dans l'inventaire. Donc t'es content d'être parmi nous. T'es content d'être là, de faire la fête. Là, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc ma mission pour les deux dernières minutes, je cours à l'arrière du train, je récupère le ruban encreur, je reviens à l'avant du train et je sauvegarde. C'est pas plus compliqué que le tennis. Voilà. Ils sont où? C'est ça? C'est ça, ils sont là. Il y en a qu'un? J'ai qu'un ruban encreur? C'est une blague. C'est une blague, chers amis. Non mais attendez, j'ai pas qu'un ruban encreur quand même. Ah non, 4, ah j'ai eu peur. C'est un stack en fait. Oh putain, je suis crevé. 1h01 et 50 secondes de vidéo. T'es en train de me dire que là je fais des heures sup. En plus, je suis pas payé sur YouTube. C'est une honte. Et en plus, en heure de nuit, hein, les mecs, hein, parce qu'il est 23h55. Voilà. On progresse tranquillement. Je pense que dans le prochain épisode, on en aura terminé avec le train. Il me reste plus très long à faire. Et donc après, on passera au niveau 2, qui est dans un manoir, je crois. Ou je sais pas, on verra en tout cas. Je ne me souviens plus très bien de ce qui va nous arriver. Quoi qu'il arrive, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, toujours. Et puis que des bonnes choses. Et donc à très bientôt sur la chaîne. Ne manquez pas les épisodes de Fallout. Ne manquez pas Dark Souls 3 en avril. Et puis c'est à peu près tout. Puis c'est déjà pas mal. J'ai envie de te dire que j'ai une vie à côté, j'ai un boulot et tout. Donc calme-toi. Allez, ciao les mecs.